Le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est officiellement lancée. Cet instrument stratégique vise à renforcer les économies, favoriser leur développement et l'intégration de l'Afrique. En Afrique, le commerce avec le reste du monde reste très orienté vers les ressources naturelles, quand le commerce intra-Afrique repose davantage sur les produits transformés. Renforcer l'intégration régionale permettrait de développer les chaînes de valeur régionales puis mondiales. De nombreux défis restent à relever afin que cet accord tienne ses promesses. Tout d'abord, trouver des terrains d'entente entre les 54 États membres. Mais aussi gérer l'harmonisation avec les accords régionaux déjà existants sur le continent. Et évidemment, compenser les perdants entre les économies de la région, mais également au sein des pays. L'objectif, bien entendu, étant que ces évolutions bénéficient au plus grand nombre.